Donc voilà, réception de la carte IO Alien Extermination ici. Donc je l'ai câblé sur un port USB à l'arrière de la carte mère et sur une alimentation disponible ici sur la TX. On peut voir là. J'ai démarré donc le jeu ici. Je suis allé dans le service, service menu et j'ai activé la page de test des entrées de l'IO. Ici, j'ai juste le schéma de la carte pour vérifier que je fais pas de bêtises. Donc comme on peut voir ici, j'ai tiré un petit fil. Alors, je vais essayer de vous montrer ici, ce petit fil-là. Ici, le fil est connecté sur la masse. Si je viens connecter, par exemple, là, le fil à côté, ici. Voilà, attendez, parce que j'ai pas facile à une main. Voilà. Donc là, ici, on voit... Voilà, j'ai essayé de vous montrer... On voit ici que le player start 2 est actif. Si je déplace à côté, ici, on voit que je suis passé au player start 1. Donc effectivement, la carte est bien détectée par le jeu et elle fonctionne correctement.